Balade sonore métropolitaine avec Marc. Je préfère me balader le soir dans la ville ou voire dans les villes parce que c'est plus calme, les gens sont plus tranquilles. Il y a une autre atmosphère que pendant la journée, et même d'un point de vue acoustique, c'est différent. Le Conseil de développement durable, peut-être, qu'est-ce que c'est? C'est une assemblée de citoyens à l'échelle de Bordeaux Métropole qui formule des avis, qui cherche à améliorer les projets et à faire entendre la voix des citoyens sur finalement le développement de ce territoire, mais aussi sur les attentes, les espoirs et peut-être les idées que portent ces citoyens d'où qu'ils viennent. C'est un organisme qui à la fois permet effectivement la participation directe des habitants, mais qui est aussi une boîte à idées qui cherche à faire passer des idées concrètes. Bora, c'est quand même une occasion assez forte de pouvoir partager avec le public parce que quand on agit à l'échelle de la métropole, c'est toujours délicat d'être en contact direct au-delà des membres même avec le grand public puisque c'est légitimement plutôt les communes qui sont en contact avec ce public. La métropole est toujours une échelle un peu délicate en matière de citoyenneté. Une grande première, la Fédération française du paysage a été accueillie dans le hangar 14. Nous avons souhaité, avec les organisateurs, mettre en avant la profession et les professionnels avec une première exposition dans le hangar de 6 portraits de paysagistes que nous appelons les illustres, Michel Courajou, Gilles Clément, Isabelle Horicoste, Jacques Zegar. Et le complément de l'exposition se poursuit au 308 dans la cour d'honneur avec le portrait de 50 confrères paysagistes de la Nouvelle-Aquitaine. Grande joie aujourd'hui sur la thématique. C'est vrai que les éditions précédentes, il y avait toujours une part importante dédiée au paysage, hein, dans l'architecture bien sûr. Et aujourd'hui la thématique est complète. Nous sommes ravis, c'est notre univers de travail au quotidien, mais localement déterminant. Le coteau, le fleuve, la Garonne, on vit dans le paysage et le paysage est notre avenir à tous. On est ravis que des confrères de toute l'Europe hein, viennent travailler à Bordeaux, mais qu'on soit associés de près ou de loin à cette démarche nous tient à cœur, bien sûr. L'accès à la commande publique, de manière générale, sur la profession. Mais on est sur une profession qui est très dynamique, qui se renouvelle, qui est en plein essor. Le décret d'application de reconnaissance de la profession est passé au 1er mai. Nous sommes ravis, 20 ans que nous attendions cet événement.